Ouais. Pascal Olmeta, le grand public vous connaît aujourd'hui presque plus comme participant à la ferme célébrité que comme gardien de but, non? C'est vrai, ça a beaucoup changé. Dans la rue, avant, tu avais les supporters de foot. Maintenant, ouais. Tu as les gamines, tu as les mamies, tout le monde te... Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai que je ne savais pas à la sortie de cette émission ce qui m'attendait. Et ouais. ça a été vraiment énorme. Énorme. Et quand je regarde, exemple, mon site, en un an, il est passé à 330 000 entrées. Je pense que ce n'est pas pour rien. S'il était ouvert avant pour le football, bon, en tant que football vieillissant, j'aurais peut-être eu 3 ou 4 entrées, mais là, ça a été... Et alors, il y a un truc qui a été étonnant dans cette ferme célébrité, c'est ton amitié avec Vincent McDoum. Ah, c'est pour ça. 330 000 entrées. Ça a beaucoup surpris tout le monde, Pascal, cette histoire, non? Ça a surpris, c'est vrai, ça a surpris tout le monde, parce que déjà, ceux qui me connaissaient... Dans le milieu de football, c'était le mec dur, méchant, grande gueule, etc. Puis là, on m'a découvert dans une émission où j'avais rien à vendre parce que j'y allais vraiment pour mon association de la petite Emeline. Et puis, il y avait ce personnage qui, pour moi, était un caméléon. Aussi bien, il pouvait dire ce qu'il pensait au mec direct, franc. Qui passait dans l'autre pièce à côté, il disait à la femme « Lave-toi, tu pues ». Ouais. C'était incroyable. Vous êtes devenus potes tous les deux, non? Potes, ouais. Bah oui, écoute, ouais, ça se voyait, arrête, c'est filmé. Pas amis, ouais. Moi, il y a une question que je me suis toujours posée entre Vincent McDoum et toi. Est-ce qu'un jour, comme ça, un peu bourré, tu te le saurais taper? Je crois que là, tu es con au maximum. Je te rassure, ni bourré, ni... Non. Ah non, j'ai jamais dit, je vais mourir pour connaître, non. Non, un soir. Non, il n'y a pas de soir, ni de jour.